Salut, salut à toute la communauté Pure Formation. Nous espérons que vous allez bien. Dans cette émission dédiée au coaching, on parle des ressources humaines, de la gestion des talents, la gestion de la performance, du marketing et vente, de la chaîne d'approvisionnement et tous les métiers connexes. Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons développer un sujet profondément traité dans le programme de certification des ressources humaines que nous offrons ici à IPE Formation. Il s'agit de l'amélioration de la productivité personnelle. C'est quoi la productivité personnelle? C'est la façon dont vous organisez vos responsabilités, vos objectifs et vos routines pour accomplir efficacement et de manière cohérente les tâches les plus importantes. Pour cela, nous vous donnerons 6 recommandations à mettre en œuvre afin d'améliorer votre productivité personnelle. So let's go! Lorsqu'il s'agit d'améliorer la productivité personnelle, le désir de s'améliorer est l'initiateur parfait. Le fait de remarquer que vous devez améliorer votre productivité vous indique également ce qui manque dans votre façon de travailler et de vivre. Il est donc important, premièrement, de vous concentrer sur l'énergie et non sur la gestion du temps. Si vous travaillez pour vous-même ou organisez votre propre horaire de travail, organisez vos tâches quotidiennes au moment où vous avez le plus d'énergie, afin de consacrer les heures les plus énergiques aux tâches les plus importantes. Souvent, ce dont vous avez besoin n'est pas de plus de temps, mais de vous concentrer davantage sur le travail que vous avez à faire. Passer plus de temps sur une tâche n'ajoute pas de valeur si vous êtes distrait ou incapable de faire un effort raisonnable. Prenons l'exemple d'une personne qui se rend compte qu'elle travaille toute la journée sans faire avancer les objectifs qu'elle s'est fixés. Cela signifie qu'elle doit prioriser les tâches urgentes, les tâches importantes, afin qu'elle consacre le temps dont elle a besoin aux tâches importantes. La gestion de votre énergie est un excellent moyen de prévenir l'épuisement professionnel et d'autres sentiments dépressifs associés au stress émotionnel lié au travail. Ensuite, vous devez utiliser des notes autocollantes et des listes de tâches. Ces deux techniques de prise de notes sont faciles à utiliser et très fiables. Vous prenez tout simplement un morceau de papier ou une application de liste de tâches numériques et commencez à écrire. Lorsque vous faites cela, vous videz votre esprit et vous vous sentez moins submergé et vous pouvez dès lors séparer les tâches importantes des autres. Par la suite, vous devez mettre les réseaux sociaux à leur place. Bien qu'il soit presque impossible de les éviter, il est important de se rappeler qu'ils doivent être un outil pour atteindre vos objectifs et non un échec de productivité. Si vous constatez que vous investissez plus dans les médias sociaux que vous n'en retirez, réduisez progressivement le temps que vous passez sur ces sites et consacrez votre temps et votre énergie à des activités plus utiles. Pour y parvenir, vous pouvez par exemple éviter de vérifier vos notifications en début et en fin de journée. Désactiver les notifications ou utiliser le mode « ne pas déranger » pour réduire les distractions. Passez à une tâche utile si vous vous retrouvez à perdre votre temps avec les médias sociaux pendant la journée. Comme autre conseil, vous devez vous désencombrer et organiser votre espace de travail. Les espaces de travail encombrés vous empêchent de penser clairement et de travailler efficacement. Il est important pour de nombreux professionnels qui découvrent le travail qu'il est essentiel de séparer votre espace de travail de votre espace de vie pour faire la séparation mentale entre le temps de la maison et le temps du travail. Cela peut améliorer considérablement votre bien-être général et votre équilibre travail-vie d'un seul coup, tout en garantissant l'augmentation de votre productivité. En outre, vous devez également utiliser une application de gestion de projets ou de tâches si vous exécutez plusieurs projets simultanément. C'est très important, surtout pour ceux qui travaillent sur plusieurs projets à la fois. Vous avez les outils de gestion de projet qui peuvent vous aider à maîtriser tout ce que vous avez à faire. Votre équipe au travail peut utiliser différents outils ou aucun. Cela n'a pas d'importance, car vous êtes celui-là qui a le dernier mot sur votre propre productivité personnelle. Invitez des collaborateurs dans votre espace de travail de gestion de projet, si nécessaire, pour rationaliser les conversations et la collaboration liées au travail. Et enfin, suivez la façon dont vous passez votre temps. Le suivi de votre temps et de votre concentration tout au long de la journée de travail est notre conseil préféré pour augmenter la productivité, car cela vous aide à évaluer votre méthode de travail actuelle
et à noter les moyens de l'améliorer. Lorsque vous suivez votre temps, vous pouvez vraiment mieux contrôler ce que vous mettez dans vos tâches de grande valeur. Donc, l'amélioration de la productivité personnelle n'est pas une affaire unique, mais quelque chose que vous continuez à améliorer au fur et à mesure que votre rôle, vos intérêts, vos habitudes et votre mode de vie changent. On conclut qu'il est donc important de se faire certifier en tant que professionnel et manager des ressources humaines, car aujourd'hui, dans la nouvelle culture d'entreprise, le personnel ressources humaines moderne est obligé d'avoir une connaissance approfondie des points forts de l'entreprise. Développez votre compétitivité professionnelle grâce à IPE Formation et ses multiples partenaires internationaux et obtenez des certifications professionnelles, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Nous voilà rendus au thème de cette émission tout en espérant bien évidemment qu'elle vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez-nous sur Telegram en cliquant sur le lien dans la barre de description pour profiter des webinaires, des podcasts, des formations en ligne, du réseautage, du partage d'expertise, des opportunités de carrière et bâtissons ensemble des métiers plus forts en Afrique. N'oubliez pas de vous abonner également à notre chaîne YouTube IPE Formation tout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines séances. Nous sommes également disponibles sur WhatsApp au plus 237 6 58 29 29 78. Plus 237 6 58 29 29 78. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode parce que le progrès par le partage est notre priorité. Passez une excellente journée.